enfin une couche à votre bébé, les yeux bandés. Les yeux bandés. Chronométré. Chronométré. Mais les yeux sont pas fermés. Mais si, je fais le choix, on va attraper la couche. Ou bien tu attrapes d'abord la couche et puis on va fermer les yeux. On est touché déjà. On regarde comment c'est qu'une couche. C'est une couche, ok. C'est parti. Est-ce que la couche n'avait pas... Pourquoi vous avez des questions? Allez J'en ai deux, calme. Je pense que c'est une couche déjà. Mais posez des questions, si vous voulez, pour vous aider. C'est à Alfred, non. C'est à l'envers, là. Mais je ne mouille pas mal, hein. Faut pas me dire en erreur. C'est un homme vrai, c'est vrai. Faut pas être grave. Elle va faire du bien en l'air. Allez, hey, attendez, je comprends pas. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Vous ne pouvez pas me garder pas. Et après, vous venez. Monsieur, allez. Vous avez ouvert. On vous laisse deviner. Alors, quelles sont les saveurs? Ça c'est quoi? Il y a de l'abricot. Des abricots? Non. Quoi? Ça c'est quoi? Ouais, ça va. Poivre, ton dernier mot. Moi j'irai poivre. Ton avec dernier mot. Mais poivre déjà. Demandez ça. Encore mieux que d'abricot. Ouais, ouais. Il y a les carottes, mais il y a d'autres choses. Bon, carottes et poires. Mais c'est Nessie. Mais Nessie, on lui va goûter. Non, mais en fait, il a pas de temps. Il a quoi et quoi? Il a dit quoi et quoi? Tout ce qu'il a dit, il a fait dedans. S'il y a un au moins. Mais depuis, je me dis. Il est très différent de ce qu'il chante. Je suis perdu. Merci beaucoup, j'ai fini. Dites-moi quand ça a commencé. On vous regarde, ça a commencé. Ça a commencé, Mais ils ont mis couché tant de la fin là. Depuis qu'on a mis couché, depuis qu'on a mis couché tête. Les micros vont souffrir. Depuis qu'on a mis couché. Allez, on va pas te laisser distraire. Il y a beaucoup de distractions. Yes. C'est comme ça que tout le monde va prendre la couche là. On va souffrir, mais toi. Elle a fini, mais. Sarah, je vois pas. Sarah, tu vas te blesser. Non, tu vas te blesser. C'est un tour d'enfant. C'est à l'envers. J'avais fait une tenue pour une amie et puis elle a aimé. Et puis elle a dit, wow, c'est qui fait ça? Et puis j'ai dit, c'était moi. Elle a dit, bon, ok, tu as fait une tenue pour moi pour voir ce que ça va donner. Donc depuis là, on s'est plus laissé jusqu'à. Et puis, quand on dit, Nessie était la première personne quand même à qu'on appelle ça, me montrer au monde. Quand on dit, croire en toi. Vraiment, elle a cru. Si, si, elle a cru en moi. Elle a vraiment cru en moi et puis je suis vraiment reconnaissant, ça c'est sûr. Elle le sait depuis toujours. Alors je vais ajouter quelque chose. Aujourd'hui, Lady est un make-up artiste reconnu. Il m'a dit de grosses stars. C'est mon visage. Merci, j'ai bien le visage. J'en venais à ça. Parce que la première fois aussi, enfin, elle est toujours une première fois avec nous ici. Première fois passée à la télé. Première fois rencontrer Jean-Alissa, les stars et tout le monde. Et puis. Et puis la première fois, en fait, c'était le jour de ton anniversaire. On était à Bonoumé là-bas. Et puis elle disait que Imelevi, moi, il ne sait pas me maquiller. Il dit, mon mec, ok, il sait faire quelque chose, même avec crayon. Elle dit, bon, on va faire. Donc on a vraiment. C'était un truc très catastrophique. Mais après,
avant c'était pas catastrophique. Elle lui fait ce que tu peux faire. Voilà, donc elle a fait ce que tu peux faire. Quand on a fait, elle est partie à son anniversaire, les gens ont aimé. Il dit, hé, hey, c'est que c'est vrai, dit, bon, c'est que les vies c'est ça, va acheter du matériel et puis tu as testé sur mon visage. Donc au fur et à mesure j'ai fait. Et voilà, je suis Lévi. Je suis devenu Lévi Tano. Je suis à l'école au Ghana. Voilà, quand je suis rentrée à Abidjan en 2017, j'ai connu Nessie d'abord par le pied de, je crois, de mon frère, avec qui elle priait. Ah, c'était son ami. Voilà, maintenant, je l'ai revue pour la deuxième fois à la masterclass de Raïssa, à Abidjan Makeup Day, voilà, où on a vite accroché. Et de là, il m'a suivie. Puisque je n'étais pas encore bien connue par tout le monde. Mais Nessie n'hésitait pas à venir à la maison chez papa. Gina maquille-moi à 5h, elle vient se maquiller avant de partir sur l'antenne à 6h. En tout cas, elle était là. Elle était là jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que je suis encore star aux gens de me le dire, mais en tout cas, c'est passé par elle. Elle était un canal aussi de bénédiction. Donc, je lui souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Et que Dieu, par la venue de ce bébé, apporte beaucoup de bonnes choses encore. Amen. Quand mon cœur témoigne, on ne va pas parler beaucoup. On va juste prier. Amen. Nessie, on s'est rencontrés à Sémidi. Avec Sémidi, à la télé. Et je ne suis pas du genre très copine, parce que je suis très réservée. Mais quand j'ai rencontré Nessie, elle était tellement douce, tellement gentille. Je me suis dit, mais attends, ou bien elle est vraiment comme ça, ou bien elle fait exprès. Mais bon, après, je me suis dit, bon, si jamais. Et tout de suite, j'ai été bluffée par sa gentillesse, son humilité, sa tendresse, elle est très maternelle. Aujourd'hui, tout à l'heure, je lui disais, j'arrive pas à croire que nos enfants jouent ensemble. Parce qu'il y a quelques années, on a tellement fait des conneries, on a tellement dansé à la télé comme des malades. Et là aujourd'hui, on regarde nos enfants. Ah, je te jure, on regarde nos enfants et c'est vraiment une personne très importante pour moi déjà. Très très importante. Une personne pour qui je pourrais me lever à 2h, à 3h, à 4h, à 5h, wow. À 6h le matin. Juste pour elle, je serais prête à tout faire. Parce qu'elle est là et une fois que tu rentres là, tu sors. Hey. Quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, je devais lancer mes activités. Je ne connaissais pas grand monde. Et ça a été une des premières célébrités que j'ai contactées. Je pense sur les réseaux sociaux, non. Et puis je lui ai demandé de venir dans le premier salon que j'ouvrais à Angré. Et elle est venue avec Sakina et Avi. C'est comme ça que je l'ai connue. Et depuis, ça a été une de mes plus fidèles clientes. Tu as vu, une de mes plus fidèles clientes et nos filles sont amies depuis, elle et moi on est amies également. Et j'ai eu la chance également de connaître son mari et elle sait que je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je suis contente qu'elle me donne encore un nouveau bébé que j'attends impatiemment, que je suis pressée d'aimer, de chérir. Et voilà, encore félicitations Nessie et vraiment que Dieu vous prenne. Voilà. Amen. J'en ai frustré trop arrivé au moment. J'ai dit non, tu restes, tu fais comme si, tu fais comme ça. Et puis bah après ça. On est resté ensemble comme ça. On a fait plusieurs choses ensemble, on a fait plein de trucs. Quand j'ai ouvert mon maquis, elle est venue faire son émission d'anglais là-bas, on savait que c'était plus pour faire la pub du coin. Et on est resté ensemble, on a presque tout partagé. Hein, chaque fois qu'il y a un truc, on s'appelle et c'est resté comme ça. Donc moi, ce qui m'a marqué chez Nessie, c'est ce qu'Alissa a dit tout à l'heure. Elle est profondément humaine. Hein, son sourire, il est dénudé de toute mauvaise foi. C'est extraordinaire ce que ce genre de personnes commencent à disparaître tellement sur la terre que quand on en rencontre, on a l'impression qu'on se demande si elle ne cache pas quelque chose de. Hein, si elle n'a pas son pied sur un caillou qu'elle va pour te taper à tout moment. Et finalement, tu te rends compte que non, elle est vraiment comme ça. Et plus les années passent, elle devient pire. Tu veux dire bonjour, elle sourit, bonsoir, elle sourit, tu te fâches quand toi. Et moi, je suis un peu comme ça aussi. C'est vrai que moi, j'ai le visage plus serré. Parce que je suis très renfermé. D'ailleurs, j'évite même ce genre de sortie. J'ai des amis vraiment que je connais depuis longtemps, dont Fontaine avec qui je fais ce genre de choses. Sinon, on me retrouve très rarement dans les regroupements d'animateurs et tout ça. Mais elle, pour elle,
Je vais pas me réveiller à 2h du matin, mais à 1h du matin. En tout cas, félicitations. Que Dieu illumine ta vie. Amen. Comme tu illumines les gens avec ton sourire. Amen. Et que ton foyer soit posé sur des fondations tellement solides que même les ouragans, les inondations ne puissent pas te déloger. Amen. Ne puissent pas vous déloger de votre foyer. Amen.